quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Et quand on faisait de la bicyclette dans cette magnifique chanson, c'est le cas aussi de Fabrice Luchini, en tout cas son personnage, qui s'inspire beaucoup, le personnage du film dont nous allons parler, oui, de la propre vie de Fabrice Luchini, qui de temps en temps fréquente l'île de Ré et fait du vélo, il a raison. Et là, il a rencontré un metteur en scène qui a eu un grand succès récemment, oui, avec un film qui s'appelait Les Femmes du Sixième. Je ne sais pas si vous nous... Il y a deux ans, 2,5 millions d'entrées pour un cinéma qu'on qualifie de cinéma d'auteur. C'était quand même la vraie bonne surprise. C'est son quatrième film à Philippe Leguet, grand ami de Fabrice Luchini. Et alors, ce matin, on est dans un cinéma d'auteur, mais aussi un cinéma populaire, comme quoi on peut faire les deux. Une comédie, mais c'est fin, c'est jubilatoire et... Lambert Wilson et Fabrice Luchini sont phénoménaux. Je suis sortie de là, c'est mon coup de cœur de la rentrée. De quoi ça parle? Dans le film, Fabrice Luchini s'appelle Serge Le Tanneur. C'est un ancien grand acteur. Je dis ancien, bah oui, parce qu'il est dégoûté, écœuré par la profession. Il s'est retiré, il a quitté Paris, il vit tranquille dans sa maison de l'île de Ré, il ne veut plus entendre parler du métier. Et puis un jour débarque, flamboyant, dans un grand manteau blanc, un brushing ridicule, mais tellement acteur de télé et de soap, vous savez, le petit acteur de télé. Il jouait le rôle d'un acteur de théâtre. Non, Il fait et du théâtre et du cinéma, mais il cartonne dans une série policière à la télévision. Dans le film, c'est Lambert Wilson. Il vient voir son ancien copain et il lui dit « Je cherche à acheter une maison à l'île de Ré ». C'est pas vrai, c'est faux. En fait, il a une idée en tête. Il veut convaincre son ancien copain de revenir à Paris avec lui pour interpréter tous les deux le misanthrope, la pièce de Molière. Luchini, dans le film, ne veut pas en entendre parler. Donc, Lambert Wilson a 5 jours pour le convaincre. Ils vont se mettre à répéter. Toujours la même scène. Scène 1, acte 1, dans différentes situations. Tantôt dans le jardin, tantôt dans le salon, avec les téléphones portables. C'est très, très drôle. Et surtout, 5 jours de bataille d'égo. Oui, parce que ce film-là, c'est avant tout une petite satire, une petite caricature du milieu. Des égos d'acteurs en ont-ils? Oui. Quand même pas mal. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver parfois. C'est très drôle. On a rencontré Fabrice Luchini. Il y avait une cheminée, il y avait du feu, il y avait une bonne ambiance. On était bien, on était bien. Familial. J'aime bien mon métier, chef. Très cosy. Quand on partait sur... C'est obstination, perfection. Préparation, masturbation, tout ce que tu veux. Mais tu me laisses dire le texte comme je l'entends moi. Quand on joue du classique, on respecte l'éveil. Voilà. Alceste à bicyclette. Qu'est-ce que ce petit Alceste à bicyclette va exister? Comment il va être confronté? Et là, ça va être un énorme massacre à 14h. Les gens, comme dans un réveil national, j'ai pas dit nationaliste, comme un réveil d'avoir envie d'entendre une langue, cette langue qui est géniale, et une comédie, et peut-être qu'Alceste à bicyclette fera quelques entrées. Grâce à vous, grâce à William. Je te dis que c'est terminé. Le théâtre, le cinéma, tout ça, c'est fini. Ce monde de rats, ces gens vulgaires qui mentent, qui trahissent. Enfin, non, non, non. C'est quoi le film en deux mots? C'est l'idée d'un bonhomme qui est une sorte de Trintignant, de Thomas Bernard, un mélange de Léo Tau, de Céline, qui était un acteur très connu de théâtre, une espèce de star de théâtre, qui... par des raisons compliquées, ne s'exile pas, se barre pas ni en Russie ni en Belgique, mais s'arrache parce qu'il a un vieil oncle qui lui donne une vieille baraque à l'île de Ré. Voilà. Que pour avoir vos biens, on dresse un artifice. Rotache. Excuse-moi. Verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que moi... Putain, mais c'est infernal, ton truc portable sur Molière, maintenant. Est-ce que vous répétez comme ça chez oui. vous? Oui. Ça, c'est un peu biographique. C'est-à-dire quand tout d'un coup le texte prend chair, quand tout d'un coup le texte n'est plus de l'imprimé, quand tout d'un coup le texte n'est pas des idées, quand tout d'un coup le texte n'est pas un pensum pour les ados. Faut que t'ailles voir La Fontaine et faut que t'ailles voir Molière. J'ai pas envie d'y aller voir Molière, moi, Torrance. Mais vas-y voir Molière. Moi, il m'emmerde, moi, les comédies italiennes. J'ai pas envie, moi. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi la décadence? Pourquoi il ne trouve pas dans Molière le génie du rap? Parce que je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Mais ce flegme, monsieur, qui résonne si bien, ce flegme ne pourra-t-il ne s'échauffer de rien? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que pour avoir vos biens, on dresse un artifice?
ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de... Quand les Français vont entendre ça, les Français vont dire « Putain, on vient de là, cette langue est là dans le film, Alceste à bicyclette. » Tarantino, si tu veux. Alceste à bicyclette, si tu veux. Ouais. Et Tarantino, si tu veux. Mais Alceste à bicyclette. Le titre est génial. Génial. Alceste à bicyclette. Eh bien, voilà la situation dans laquelle on est, les enfants. La France, comme disait notre ami Cocteau, qu'est-ce qu'un Français, un Italien de mauvaise humeur? Et on voit que la mauvaise humeur règne dans ce pays. C'est un pays de ressentiment, c'est un pays flippé, dépressif. Mais je trouve que c'est un pays génial. Je ne le quitterai jamais, parce que comme dirait mon amie Céline, loin du Français, je meurs. Et c'est pour ça que loin d'Alceste à bicyclette, on est très 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 malheureux et on va être tellement heureux à voir ce film. Mon Dieu, je vous embrasse, à très bientôt. Voilà, et alors ce qui est génial, c'est qu'on voit Fabrice Luchini qui répète, évidemment, et il le dit, je répète comme ça comme dans ça, la vie, et les scènes du Misanthrope qui est sa pièce complète. Avec le petit manuel scolaire, vous savez, c'est le même qu'on avait à l'école. Un vrai bon film français, c'est pas tous les jours, on peut le dire ou pas? On peut le dire. Faut y aller, allez, go.